messieurs, fidèles téléspectateurs, chers internautes de Maximal HD TV, bienvenue dans la chaîne Haute Dimension. Nous sommes là pour vous former, vous informer et divertir. Nous sommes sur la première route asphaltée de la République démocratique du Congo. Alors cette route a une longueur de 110 km. Elle part de la ville portuaire de Boma jusqu'au territoire de Tchela. Travaux de première asphalte ont commencé en 1955 et ont pris fin en 1956. Alors, l'asphalte qu'on a utilisé sur cette première route est produite localement dans le territoire de Kakongo. Voilà, dans le secteur des Mvuangu, mais aujourd'hui, cette route est dans un état de délabrement très avancé, comme vous le voyez, alors que, or, les Mayombe étaient les poumons agricoles de la République démocratique du Congo, et cette route permettrait d'évacuer des produits vers Boma et l'Europe. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons parcourir ensemble avec vous. De vous-même, vous allez voir l'état de cette route. Ça fait pleurer, ça fait mal au cœur. Alors, comme nous avons un président qui œuvre dans ces domaines de la construction, la reconstruction et la réhabilitation de la République démocratique du Congo, nous savons bien qu'il va vraiment porter son soutien. Il viendra ici dans le Mayombe pour corriger un tout petit peu ce problème de cette route. Alors, les travaux ont déjà débuté, mais il y a certaines personnes qui nous ont dit que ça n'avance pas. Ça n'avance pas alors que cette route départ, ça part à partir d'ici jusqu'à Tchela. Ça apporte beaucoup de choses. Il y a des écoles dans cette route. Alors, c'est pourquoi nous faisons appel à notre président de la République et pourquoi pas à tout son gouvernement de venir faire quelque chose ici, dans les Mayombe, dans cette route qui commence à partir d'ici, donc c'est à 80 km hein, de la ville de Boma. Voilà, nous allons suivre, nous allons faire cette petite balade avec vous et on se retrouve tout juste après. We'll be right back.
la cité de Lukula. Alors, cette cité de plus de 20 000 personnes dépendait de la société Agrifort. Alors, cette société exploitait du bois, du café, du cacao et de l'EVA, avec de grandes plantations, mais aujourd'hui, tout le monde est au chômage. Agrifort avait les activités jusqu'à la cité de Lemba. Parcourons ensemble cette route et découvrons le Mayombe, comment il est tombé en ruine.